Pipa Valley, es fantástico. Os recomiendo a todos que vengáis. On profite, on visite les stands, le spectacle, et voilà, c'est bien. Yes, yes, good Diwali here. Je suis très content de Diwali. India, come this Saturday. Union, very good union. Je suis enseignant au lycée Mahatma Gandhi. Nous organisons un voyage vers l'Inde du Sud. Bisita, is it possible? Just one question for Canal Australia Television. Just one question. What do you think about Reunion Island? Reunion Island is a beautiful place. C'est quand même une grande personnalité. On a bien joué le jeu et on est aussi satisfait. Rollo animation. Écoute, allez bien même. Vanglish. Okay, nice to meet you. My name is Laurent Ramsamy. I represent Rollo Animation. It's about music, TV, DJ. And precisely today, I realized a report for local television channel 24 if you have an LSAT and 68 if you're watching us in SFR box. I will ask you a few questions, of course, if you agree, about Deepavali and your stand. Are you okay? Yes, okay. What mean exactly Deepavali for you? I'm making in glass. Yeah. Okay, I'm making glass in the handmade items. I'm making in pen, keychain, and Ganesh, and everything got. I'm making all items here. Yes, I am come to Deepavali function in Reunion. Okay, I'm from India. Place is Chennai. And it is a good deal for you. Yes, good. Yes, good. When I came here, I heard somebody to say that it is the victory of the good and the evil. Can you explain us why? The Deepavali. Yes, good Deepavali here. Yeah. You say everybody is good and places, everything's good. Yeah, all good. You went to the city last night to see the firework. Yes, beautiful. Yeah. Yes, beautiful. And what do you think about this incredible diversity of culture and religion in our country? Yes, everything is good. Yes. Okay. Beautiful girl. Yes, beautiful. And it is not dangerous for the elf, the fire, and when you blow to realize the glass. Yes, this glass is blowing is apple and bell. Everything is blowing. Yeah. Okay. Next time making in items, everything, animals and bird, more items, show pieces, everything. Yeah. I'm making. Your first time in Reunion Island for the Deepavali? No, this is eighth or ninth time. 10 years regularly I come in the Deepavali. Okay, nice to meet you. Thank you for the great interview. See you soon. And you give me your email address. I will send you the picture, the movies. You will share for your family, your friend. Okay? With Deepavali, we are stand in this place because the business are not good. India, come this Saturday. Reunion, very good reunion. Cette année, j'ai profité pour venir là, ce dimanche. Et là, on profite, on visite les stands. Il y a du spectacle et voilà, c'est bien. Very good quality, India, very, very good quality. Je suis enseignant au lycée Mahatma Gandhi, professeur d'éco-gestion. Donc, nous organisons un voyage vers l'Inde du Sud. Je suis porteur de ce projet et donc, bien sûr, je suis aidé par quelques collègues. Nous avons mené une action de vente de gâteaux, justement pour récolter un peu d'argent afin d'aider le financement du voyage pour les élèves. Le voyage aura lieu en mars 2017 vers le Tamil Nadu, donc dans l'Inde du Sud. On récolte des fonds, on vend des gâteaux pour le voyage en Inde en 2017. On va mettre des actions comme des ensachages à venir pour récolter plus de fonds. Cette 27e édition du Deepavali a été une très grande réussite. Le défilé était superbe hier soir. J'ai eu l'occasion de rencontrer Miss India aujourd'hui au Colosse. Ça a été une très grande surprise car ce n'était pas du tout prévu sa venue ici et c'était vraiment un accueil chaleureux. Miss India, is it possible just one question for Canal Australia Television? Just one question. What do you think about Reunion Island? Reunion Island is a beautiful place and I'm so happy that this is possible and I've actually come here today. I feel like being in home and the people and the food, everything is amazing. Thank you so much. Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Alors, organiser cela tout d'un coup comme ça, ça a été toute ma fierté. Ça a été une expérience, un challenge, étant donné que c'est quand même une grande personnalité. Et bien, tout le monde était content. On a bien joué le jeu et on est aussi satisfait. Ça complète un petit peu le tableau de cette année avec cette belle manifestation où on a eu une belle satisfaction aussi. Je suis prestataire de tatouage temporaire à Aîné sous l'enseigne Tifleur Aîné.
Donc cela fait déjà quelques années que j'exerce cette activité. Donc je ne l'ai pas apprise, je l'ai eu comme ça, instantanément. Il me semble que c'est un don de Dieu. Donc c'est un don que je fais partager avec le public depuis quelques temps déjà. Et c'est avec plaisir et amour que je vois ces personnes au quotidien. Je suis jamais déçue quand je viens faire avec elles. C'est vrai que le temps d'attente est long, mais je suis jamais déçue. Effectivement, donc j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'attentes chez moi. Je me demande pourquoi. Est-ce qu'il y a trop de gens ou c'est moi qui suis trop lente? Mais en fait, je pense que c'est à force de communiquer aussi sur ma présence dans les différentes manifestations. Et c'est aussi le travail de qualité. Parce que apparemment, je propose des motifs travaillés, fins, c'est du travail minutieux en fait. Donc les gens apprécient, ils reviennent. Ce sont des produits de qualité et qui durent. Ça fait très longtemps que je connais Nadia, depuis que je suis en troisième, donc ça fait 4 ans. Je vois qu'il y a beaucoup d'évolution dans son aîné, sa qualité, et je trouve que c'est super bien. Et je vous sollicite de venir dans son stand parce que vraiment, elle assure, elle est super sympa. Nous sommes à Saint-André, à l'île de la Réunion. Et on est venu ici pour le festival de l'Ipavali. C'est maintenant, on a bien profité parce qu'on est allé au festival d'Eoli. Et ça a été super sympa, comme vous pouvez voir. Bah, je suis bien couvert de poudre là, mais voilà, c'est super sympa et c'est un truc super intéressant. Moi je suis pas réunionnaise, je suis pas française quoi, je suis espagnole et bah, el Ipavali es fantástico, os recomiendo a todos que vengáis.